Je m'appelle Olivier Bernard, je suis l'exploitant des pépinières du Jardin du Prahor. On a une exploitation qui fait environ 1,5 hectare avec 800 mètres carrés de serre couverte. On a une production, on doit sortir à peu près aux alentours de 20-25 000 plantes à l'année, très diversifiée. L'objectif, c'est de produire un maximum par nous-mêmes, de faire du qualitatif et puis de ne pas faire de grandes séries, mais faire surtout quelque chose de très diversifié. Donc ça va de la plante de haie en passant par la plante carnivore, le potager, beaucoup de vivaces, notamment des vivaces d'ombre, beaucoup de vivaces géantes aussi et beaucoup d'exotiques, de l'exotique rustique, donc des plantes exotiques intéressantes qui changent de l'ordinaire, mais par contre qui sont complètement adaptées à la région. Alors on avait déjà remarqué que depuis 2 ans, donc depuis 2018, les gens revenaient un petit peu plus au jardin qu'avant. Et puis depuis l'année dernière et principalement pendant le confinement, là on a vraiment remarqué un réel boom. Pendant le confinement, les gens ont été très 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 demandeurs de végétaux différents et puis surtout de travailler au niveau local. Ça, c'était quelque chose qui compte beaucoup pour eux. Bonne chance pour nous, c'est que ça a duré, puisqu'on a constaté que ça a continué même après le confinement, y compris pendant la belle saison de l'année dernière et puis l'automne et puis tout l'hiver. On se rend compte qu'il y a une vraie demande qui continue encore maintenant. Ce qui est une bonne chose pour toute la profession, après 2013, on avait connu quand même quelques années un petit peu compliquées. Donc c'est un réel plaisir de voir que les gens se remettent au jardin et considèrent que le jardin, c'est une vraie pièce à vivre, comme un intérieur. Alors, ça fait à peu près une dizaine d'années, 10-11 ans qu'on participe à Vannes Côté Jardin, qui est un salon un petit peu particulier parce que il est pas loin de chez nous. Ce qui a beaucoup d'avantages, hein. Ça nous permet nous aussi après de nous faire connaître auprès de la clientèle de Vannes. C'est un salon qui est très fréquenté, on est énormément d'exposants, ça permet de trouver beaucoup de diversité. Mine de rien, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de producteurs et de pépinières dans la région Bretagne. Ça permet de donner un petit aperçu de la qualité des végétaux qu'on peut trouver dans notre région. Cette année, c'est donc les 15 ans de Vannes Côté Jardin. Donc d'abord et d'une, on est content d'y participer. Et puis on espère surtout que les gens viendront en nombre